Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour un petit moment d'horreur. Et voilà, un petit retour, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait une petite session un petit peu horreur comme ça. Et la bonne occasion en plus, elle est là, Silent Hill, The Short Message, qui vient de sortir gratuitement sur PS5 depuis aujourd'hui. Voilà, bam! C'était la petite bonne surprise d'hier du set of play où on a eu un petit gameplay sur Silent Hill 2, le très attendu Silent Hill 2 qui, suite du gameplay, a fait un petit peu grincer des dents et parler, n'a pas non plus convaincu tout le monde. On verra quand on en verra un peu plus, mais la bonne nouvelle, ils ont sorti Silent Hill The Short Message, qui est un jeu gratuit sur PlayStation 5 exclusivement et qui, je crois, dure à peu près 2 heures. J'ai cru voir ça comme ça, qui m'a fait penser sur les images du trailer que j'ai vu. Un petit peu comme la démo Pity qu'on avait eu avant le Silent Hill annulé. Enfin bref, tout ça, je pense que l'histoire, les gens la connaissent. Ça faisait quelques années déjà. Nous sommes là, Silent Hill, The Short Message. Jouer au jeu. Alors j'espère que le son sera bon. On a l'image qui est là en haut à gauche, un peu plus petite, un peu plus stabilisée. Ah, ça fait bien, ça fait un petit effet. Voilà. Ce jeu contient des références au suicide, l'automutilation, la maltraitance, au traumatisme et au harcèlement potentiellement difficile pour certaines personnes. Les développeurs ne souhaitent en aucun cas en minimiser l'impact et inciter quiconque au suicide ou à l'automutilation. Bah, tant mieux. Ah, si vous avez des pensées suicidaires ou que vous songez à l'automutilation, veuillez consulter un médecin ou un professionnel, c'est important bien sûr, ou solliciter un traitement et ou à l'aide de la part des experts dans le domaine de la prévention du suicide et de l'automutilation. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter une ligne directe ou un hôpital près de chez vous. Si vous remarquez que quelqu'un dans votre entourage semble souffrir, essayez de lui parler. Un geste simple, courageux, peut sauver des vies. Et ça, c'est bien vrai. Faites attention. Quand on dit ça va, peut-être que ça ne va pas. Bon, déjà, ça annonce déjà un bon jeu. Tu sais, ça casse un peu la transition. Mais quand on parle de tout ça, tu dis c'est un bon jeu. Mais effectivement, si vous avez des petites tendances à tout ça, parlez-en autour de vous. Des fois, on ne sait jamais. Un petit geste peut avoir un grand impact. Silent Hill. The Short Message. Putain, j'arrive bien à le dire quand même du premier coup. Hein. Pas de... The Short Message. The Short Message. Alors, commencez une nouvelle partie. Seeking a connection with others. Is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Ok, bon, effectivement, tu sens que... Elle est pas encore très très sûre de... Enfin, elle est sûre et pas sûre. Elle est dans le doute. Maya ? Où suis-je ? Oh, au moins j'ai mon téléphone. Ok, ok. L'ambiance commence déjà à être un petit peu sympatoche. Alors, je veux te montrer un truc. Tu veux venir à ma villa ? Ah, ça c'est Maya. Elle m'a dit de venir là, Maya, mais ok. Bon, ça m'a l'air assez douillet, ça. Pour Paris 2024, ça va se louer, les trucs comme ça. Hein. 500 balles la nuit, hein. T'inquiète pas. Ouf. Ah. On a le complexe, là, non? On l'a. Alors, ce que j'aime bien, c'est que, tu sais, il y a toujours la voix. Oh, mais tu es où, Maya? Tu sais, tu te doutes pas que... Je pense que, franchement, c'est pas... Maya ! J'ai ramené des sandwichs ! La salade va ramollir ! Pas de sortie. Voilà. Donc, si tu voulais sortir... Oh, putain, vas-y.
Alors je me mets à regarder un peu à droite à gauche s'il n'y a pas des trucs, mais je pense que je vais peut-être aller un peu plus vite dans un premier temps, je pense, pour pas trop perdre de temps, ça se trouve. Elle insiste, hein. Mais je crois qu'il faut faire une petite évidence. Maya, elle est pas là. Ah par contre, il y a vraiment quelqu'un ici, en fait. Ok, il y a une petite peinture et tout. Ok, non, elle est peut-être là, là. Maya do this? CB. Ouais, ça me... Cherry Blossom. That's Maya's signature. Ok. She's... Amazing. Amazing. Mm. The city's a blank canvas. Begging for us to paint it with our hopes and dreams. Mais c'est un vrai là, c'est pas le jeu ça. C'est une vraie, c'est un vrai film. Ça c'est un film, c'est pas c'est... Oh, les graphismes sont époustouflants. Bah, moi je rien du tout moi. Non, sans, je m'en fous, ouais, bien sûr, mais... Non, t'approches pas trop, ça. Ouais, non, mais ouais, bien sûr. Je crois qu'elle me parle à moi. Non, c'était pas des graphismes de jeu, c'est des graphismes de vrai. Ça, c'est graphismes de jeu. Allez! Oh! Oh non, d'un jeu avec des bébés! Alors ça, alors non, alors ça, les jeux avec les bébés, c'est horrible. CB a ajouté que les fleurs qu'elle montre sur les jeunes filles qu'elle peint naissent des cicatrices qu'elle porte. Oh, c'est beau. Les fleurs représentent les filles surmontant leur traumatisme ou tout du moins leur désir de les surmonter. Ouais, alors tu sens bien que le personnage que j'incarne a un petit problème d'auto-estime. Non, alors, les bébés, non, hein. On est d'accord que... Ouais, c'est soirée lecture. C'est soirée lecture. Bon, c'est bien. Putain, et les trucs avec les bébés, c'est les pires. Les jeux avec les bébés comme ça. Non, attends, on peut pas partir par là? Non, non, mais j'aime pas... Tu sais, autant il pourrait y avoir des monstres, des trucs, des machins, tout ce que tu veux, mais les bébés... Moi, t'as voulu me faire peur. Oh. Ah, bon, alors encore de la batterie, c'est bien. Amélie, ça va? Tu dors? Tu dors encore? Désolé si je te réveille, je t'ai pas vu de travail hier, tu es toujours pas bien. Tu prends bien tes médicaments. Et Amélie, elle dit désolé de te répondre aussi tard, je me suis endormie. T'inquiète pas, comment tu te sens? Ça va, j'arrive enfin à me reposer un peu. Je voulais pas t'inquiéter. T'inquiète pas vraiment pour ça, tout va bien. Mais non, mais tout va pas bien. Non, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Tout va pas bien. Mais c'est ce relief de quoi? Mais sois égoïste un peu dans la vie, des fois. Ça fait pas mal, hein? Ah. Ouf. What's with this place? Why all the sticky notes? She's gross, stupid, ugly. Loser. Stupid. Liars! Crazy. Cry, baby. Ugly. I hate you, dumb. Go away. Ok. Quelqu'un est vraiment perturbé psychologiquement. Jusqu'ici, tout va bien. Ah. Ouais. Bon, bah écoute, vas-y, go away, barre-toi. Voilà, perdant, moche. Hure, je sais pas ce que c'est. Pervers, loser, enfin voilà. Que des petits mots sympas, tu vois. Ah bah en plus, il y a même un service de porte. Ah. Oula. Oh, c'est dégueulasse ici, non? J'ai rien fait, moi. Non, non, non. Ah, ouh, elle est pas à son premier coup d'essai, hein. Tu vois les petits marques sur le bras. Ah, je vais mettre une mauvaise review dans NBA, hein. La propreté, c'est... Bon, c'est vrai que ça fait penser un peu à ce qu'on avait d'un style différent, bien évidemment, c'est pas exactement la même chose, mais ça me fait penser à ce qu'on avait avec Pity.
Tu vois, quand ils voulaient annoncer à leur pitié, c'était... Au début, personne savait. Oh, oh, quand t'ouvres la porte rapidement comme ça, t'essaies de me faire peur. Pitié, personne savait que c'était pour teaser la sortie de Silent Hill avec Norma... Ah, Amélie, qu'est-ce qu'elle veut? Et puis, finalement, il a été abandonné. C'est dommage, parce que j'étais vraiment très, très curieux de voir ce que ça a donné. Hein. Et toi, Anita, quoi? T'avais pas l'air dans ton assiette l'autre jour? Je vais bien. Menteuse. Après, très honnêtement, bah, quand quelqu'un a un problème comme ça, lui parler par SMS, c'est pas toujours non plus... C'était pas ouvert tout à l'heure, je crois, hein. C'est pas toujours non plus la solution, quoi. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent bien à s'ouvrir comme ça indirectement, mais des fois, il faut quand même confronter la personne entre quatre yeux aussi. C'est pas Maya, ça. Attends, comment ça, on peut aller à droite? Oula, les grilles comme ça, c'est Silent Hill, ça. Ah, on va commencer. Allez, allez, aidez-moi, il y a quelqu'un. Ah bah, c'est ça quand t'as pas de cardio. Hein, tu pratiques pas, il y a un monstre qui te pourchasse, tu tiens 2 minutes, voilà. Bah non, mais bon. Non, mais pour les gens qui auraient un petit peu peur lors des jeux d'horreur, j'essaye un petit peu de baisser la tension, tu vois. Tu veux que je te montre un truc? Oh là, ça va finir en... Oh bah pardon, je vais partir, ça n'a rien à voir. T'es là? Je suis au studio... Ah, c'est Maya! Bah ouais. Maya? Il y a un monstre, tu n'as rien? Oh, mais ça m'énerve! Oh là là, ça fait vraiment penser comme dans les films où il y a un truc qui se passe. Et t'as une question qui est évidente, qui brûle les lèvres absolument tout le monde. Et là, t'as la personne qui parle et qui esquive totalement le sujet. Ah, ça m'hérisse les poils. Where is the studio? Ouh, c'est stylé l'ambiance là. Ah, regardez. Oh, the famous suicide spot. Ah, c'est ça. Ouais, on va voir que... Ouais, la distance est bonne. En tout cas, l'ambiance... L'ambiance est ok. Ah. Putain, avec les planches là, elles vont casser. Elles vont casser, il y a un truc. Ils regrettent, tu sais, tous. Au fait, tu réfléchis pour la fac? Je n'y arriverai pas. Mais c'est qui Amélie? Je crois que c'est sa copine, non? Elle peut pas lui dire qu'elle est dans un bâtiment... Enfin, je sais pas, elle peut pas lui dire je suis là, je suis un peu dans la merde et tout... Arrête de me prendre pour Maya, ok? Ah! Ouh, il y a un truc avec ça, là. Oh, il y a un truc. Arrête de me prendre pour Maya. Elle marche à deux à l'heure, mais elle ouvre les portes d'une vitesse. Ah. It's beautiful. Who did Maya have in mind? I don't know. Did you post this too? Even more followers. I lost followers. Pardon, c'est pas drôle, mais... Some new followers here. I need to upload stuff like this to get as many likes as Maya. Sexy. Loving it. Stop with the boring photos already. No sexy stuff, no followers. Wow, you hate your followers? Je commence à comprendre un petit peu. Après, c'est une réalité, hein. Les réseaux sociaux te font déprimer. I'm sorry. You have your own situation to deal with. I was out of line. I was thinking selfishly. I'm so sorry. No, I shouldn't have gotten mad like that. Thanks, Anita.
guess I haven't accepted Maya's death yet. What? Huh? Why did she jump from the villa? Why did she have to die? Ok, ça prend une tournure intéressante. Dead? Wait. Maya's really dead? How could I forget that? Are you alright, Anita? Hello? Then, who's this? Find it. Ok, ça prend une petite tournure un peu plus intéressante. Là, jusqu'à là, c'était un petit peu comme relax. Alors effectivement, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très déprimant. Autant que ça peut t'apporter énormément de satisfaction quand ça marche bien, les gens qui te suivent, les gens, voilà, et les likes, etc., la dopamine. Et l'inverse, est également très, très dur. Donc, pour tous ceux qui s'en foutent des réseaux sociaux, continuez comme ça. Ah merde! Ah, fuck! On peut mourir ! Ah merde ! Is this a dream ? I don't know ! I have to do it all again ! Oh shit ! Par où je vais ? Ah ! Ah non mais moi non, ça fait peur ! Alors pas aller à droite déjà ? Dépêche-toi, bordel! The hell's going on? Ah, putain, merde. Ah, c'est bon. Pff, on est sauvés, on est sur le toit. On a juste à sauter en marchant de Maya. Died, but her art lives on. Even more followers. Bon, arrête de te préoccuper de ça, quoi. Sois pas jalouse. Sois heureuse pour tes amis. No one is ever going to notice me. This is where I jumped from. Don't do it. Maybe I can be like her. No! We have a solution! Here goes. Mais non, mais non, mais il y a toujours une solution. Ok? C'est fini? Ah. Alors... Si elle peut répondre à Amélie, je crois que... Petit problème. Ah. C'est tout ? Enfin, je... Ok ! I get it ! Am I back at the villa ? Guess who's back ? Back again ! Maya, qu'est-ce qu'elle raconte ? Tu l'as trouvée ? Trouver quoi, le sol? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. C'est vraiment toi, Maya? Tu peux pas sortir tant que tu l'as pas trouvé. Maya est morte, ça peut pas être toi. Tu peux pas sortir... Ouais, bah je... C'est un bot, en fait. Ouais, ok. Non, c'est un bot, je crois que c'est... Return! Oh, no. My battery. Merde, y'a pas un chargeur qui traîne? Ah ouais, bah là, du coup, j'aurais plus de lumière. Ah, bah bravo! Bravo! Oh, yes! Ah! Regardez, c'est ta faute. Mais est-ce qu'il serait pas en fait?
Elle est pas dans sa tête, là, en fait. Je pense qu'on dirait qu'elle est dans sa tête, hein. Genre, l'endroit où elle est n'existe pas. Moi, je le vois comme ça. Ah merde, quelqu'un a souillé. What? Who do this? Y a quelqu'un? Ça fait flipper en vrai. Oh merde. Ah. Wait, it's back on. La batterie elle se recharge toute seule. C'est pas mal ça. C'est quoi la marque? How could somebody do this? Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Ah. What's this? Ah. Oh, ça m'a l'air un peu facile, non? Ouais, ça ment, là. Là, y a un mensonge, là. Et là, ça ment. School. Attends, mais ça me dit un truc, ça. Oh, j'arrive pas à me souvenir, mais ça me dit un truc. Outlast 2. C'est ça, ouais. Damn. Oh, c'est pas sympa, les gars, hein. Les gars, et où est? Et en plus, tu te sens tout petit, tu sais, à côté. Eh, comment on frappe? Ah! Je suis passé devant, en plus, quel con. What the hell? Get out, you freak slut! Your heart's fucking... You're a freak! Cocky piece of shit! Pas très sympa, hein. Bon, tu sens bien qu'elle est torturée par toutes ses pensées, tous les mots qu'on aurait pu lui dire, tous ces mots négatifs qu'elle aurait pu entendre de la bouche de gens ou voir sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vraiment le couloir de la honte, quoi. C'est une horreur à vivre. Oula! Bon, elle est beaucoup plus perturbée que ce que je n'aurais pu imaginer, hein. Tu sens qu'elle est traumatisée, hein, par ça. C'est vrai qu'autant il y a des gens qui peuvent faire abstraction, tu vois, sur les réseaux sociaux, on va dire ouais, espèce de connard, insulter, etc. Et il y en a qui s'en foutent, mais il y en a pour qui ça affecte, quoi. Bon, je dis réseaux sociaux ou en vrai, quoi, les deux, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas... Surtout, je pense que la chose qui est importante à faire, si tu es dans une situation comme ça, situation commune, t'es à l'école, tu vois quelqu'un qui se fait emmerder, qui se fait un peu embêter, maltraiter, etc. Bully, tu vois. Eh ben, hésite pas à faire quelque chose. Oula. Merde. Oh putain, il y a des yeux partout, tout le monde me regarde. Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Ouais, si je me retourne, je suis mort. Oh putain. Elle m'a fait vraiment peur. Ah fuck. Elle m'a fait vraiment peur, la salope. Oh. Merci, again. Again. Puis, me connaissant, j'ai l'impression qu'on va le faire 2-3 fois, hein.
J'ai rien fait à ma espèce de gros fils de pute. Ah. Trouve-le. Ouais, bah oui. Trouve quoi? Trouve-le, ok. Trouve-le. Merci. Ça y est, énerve-toi un peu, là. Énerve-toi un peu, là. Ah! Qu'est-ce que tu fais dans le noir comme ça? Tu sens qu'elle est un peu perturbée là. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Mais donc. Là où je comprends pas, c'est que... Je pense que l'histoire nous y amène progressivement, mais... Est-ce que Maya, c'est elle aussi qui a reçu cette haine? Donc qui a reçu cet amour, mais cette haine... Ah! Pardon. C'est la musique qui me... Bah, y a rien d'autre, là? Ah. Ah, la porte est ouverte. What's going on? Maya? It's like that other school. Oh, ça y est, elle est déprimée. Why does this always happen? Mais y'aurait pas un truc que la fille qu'on incarne et Maya soit exactement la même personne au final? Ouais, j'ai comme le... Ah. Ça va, Anita? Elle disait que ça allait, donc je vais pas insister. Mais oui, mais tu dis toujours que ça va. Oh, excuse-moi, ça va pas très bien, j'ai besoin d'aide. Non, bah non, généralement, les gens ne disent pas ça. Hein. Quand tu dis comment ça va? Ça va. Ça va pas. That's not true. J'ai quand l'impression que Anita et Maya sont les deux mêmes personnes, tu vois. Mais bon. Donc là, on va peut-être aller chercher le livre. Maya's locker. No, it's not here. It wasn't here before either. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Ah! Il y a un 3 là, il y a un 0 là. Il manque une lettre. Bon. 0, 2, 3. Je trouve pas l'autre. 0, 3. I know what's inside. Voilà, allez hop. And I can't look away. What's this letter? Remember when I said I wanted... Ma chère Amélie, tu te rappelles quand je t'ai dit que je voulais vivre comme une fleur de cerisier, belle et noble, juste pour un instant? Attends, je suis en train de parler, putain, vas-y, tu fais chier, quoi. Oser c'est pas été, éphémère, tomber, machin, j'aimerais pouvoir vivre. Ainsi, je veux éprouver la véritable beauté, même si ça ne dure pas. She was asking Amelie for help, but I just... Maya, you have everything. You're way more talented than me. So why? Why take Amelie from me, who acted like I wasn't even there? Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away from me. She wouldn't pay attention to me.
C'est de sa faute alors, la salope. C'est elle qui a mis les trucs de... Ah, ok. Ok, ça fait du sens maintenant. Elle était jalouse. Elle était jalouse, donc elle a été toxique. Et voilà. Toxicity, hein, n'oubliez pas, hein, System of Dawn. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a? It's all your fault. Donc ça fait du sens maintenant. Oui, c'est de sa faute. Bah oui. Mais personne va dire... Oui, c'est ce qu'on a vu. Donc pour nous faire chier, elle marche à deux à l'heure. Ouais, comprends. Ouais. Ah, ça y est, va devoir courir. Yeah, it's all your fault. You're about to die. Ah, y a des photos partout maintenant. Non, j'ai encore chié, non, ou quoi? It's your fault. You did this to her. You killed her. Maya, I finally get it. I know what you wanted me to find. I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter. That letter was a message for you. Well, why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Le jeu est un peu fou, oui. Il y a un petit truc un peu psychologique, un petit peu taré, quoi. Effectivement, oui. Anywhere again. Alors, ils insistent un petit peu, hein. Effectivement, voilà, si vous avez des pensées suicidaires et que vous songez à l'automutilation, consultez, parlez-en autour de vous. Et si vous voyez quelqu'un que vous pensez être dans cette situation-là, mais qui ne dit rien, qui dit que ça va, agissez. Une main sur une épaule peut faire plus de bien qu'on ne puisse croire. And we're back again! You think you are dead, but you're not! You're still alive and you have to suffer because you killed Maya! Pardon. Ah! Mais c'est elle! She's not dead! Even if I die, this doesn't end! No! How many times do I have to go? You have the curse! Tu as la malédiction! Tu dois souffrir mentalement jusqu'à l'éternité! Trouve-le! 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 Je ne te dirai rien, aucun indice, tu mérites de mourir, espèce de merde! Alors, c'est parti, on continue! Ah bah, elle est plus là. Bah, elle a dû respawn quelque part, je ne sais pas. Bon, on continue. Ah. Le phénomène de Silent Hill. Enfin, on arrive sur du Silent Hill. Yes! Le taux de suicide a augmenté dans le monde entier, en grande partie suite aux problèmes causés par la pandémie du Covid-19, qui voit certains pays encore hésitants sur conduite à suivre. Cette période difficile a aussi donné naissance à un phénomène étrange entre nombreux endroits. Les personnes affectées affirment soudainement voir une brume, même par temps ensoleillé, avant de perdre connaissance. Le phénomène de Silent Hill est ainsi appelé en référence à un événement similaire ayant eu lieu dans la ville du même nom aux États-Unis. La première personne à avancer une théorie sur la raison d'un tel phénomène est le docteur XXX. Docteur en psychologie sociale, l'université XXX a tenu les propos suivants. Pour les personnes psychologiquement instables, la brume représente l'incertitude et les illusions sensorielles. Dans un état de stress extrême, la vision peut s'obscurcir et se rétrécir, comme si l'on déambulait dans un épais brouillard.
L'incertitude sociale ou l'appréhension de l'avenir se manifeste comme une brume, brouillant les frontières entre illusion et réalité. Avec le temps, les cas de victimes du phénomène Silent Hill se multiplient. En réponse à cela, le docteur XXX appelle à rapidement reconstruire notre société ainsi qu'à une meilleure écoute de la jeunesse et une meilleure attention à sa santé mentale. Vas-y, reprends un peu ton souffle, parce que c'est chiant. Hein. Non mais, je sais pas, je suis en train de lire. À bout de souffle, bon, c'est un peu relou. Hein. Ah, le signal se brouille. Bon, pour le coup, Pity était quand même beaucoup plus tordue. Hein. Et t'as vu comment le personnage, t'as l'impression qu'il s'est affaissé, comme si elle... Ah, la pizza! Comme si elle était petite, comme si elle était devenue un peu dans l'enfance. Ah, ça y est, quelqu'un a ouvert la porte. Ils sont quand même sympas, hein. Et t'as vu comment elle est encore plus petite, là? Tu vois, c'est qu'elle retourne dans l'enfance. Donc on est vraiment dans sa psychologie, quoi. Il est encore arrivé le sourire aux lèvres et une pizza entre les mains d'un nouveau restaurant qu'il adore. Ma fille a détesté la pizza. Elle fait toujours la difficile. Je devrais peut-être lui apprendre à manger des choses qu'elle n'aime pas. Je sais que pour moi aussi, on me forçait quand j'étais petite. Mais je suppose que c'est inévitable. Les enfants ont finalement piqué une crise devant lui. Aujourd'hui, il était épuisé au retour du travail. Il voulait juste se détendre un petit peu. Il me rend heureuse, mais je ne suis pas capable de lui rendre l'appareil. Détends-toi un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. Bon, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est de l'eau ultra. C'est de très ultra haut. Je suis peut-être pas assez strict avec eux. On a besoin de lui pour être heureux. J'ai besoin qu'il comprenne. C'est peut-être sévère. Mais s'il ne voit pas plus la lumière du jour pendant un temps, ils verront peut-être celle dont il éclaire nos vies. Waouh, attends, c'est tordu ça. Il m'a dit qu'il allait du mal à se détendre à force de les entendre taper sur la porte du placard. Ah d'accord, donc il allait enfermer les gosses, la salope. Si seulement il pouvait rester silencieux juste un instant, tout irait bien. Qu'est-ce que, ils clochent chez eux, ils ne viennent plus aussi souvent qu'avant, si je n'arrange pas si vite les choses, je risque de ne plus jamais le voir. Ouais, elle était complètement pétée du ciboulot, la connasse, hein. Ah. Regardez. Ah, la porte s'est ouverte. Ah. Je crois qu'ils n'ont pas sorti les poubelles depuis un moment, hein. Mais t'as vu, ça fait une boucle comme ça, comme dans Pity, où tu étais le même endroit encore et encore et ça se dégradait. Tout semble aller à merveille depuis qu'on se voit dehors. Il s'inquiétait pour les enfants, alors il leur a apporté des livres et des jouets. Ça devrait suffire à les occuper un peu, non? Je sors tellement ces temps-ci qu'on a plus le... C'est un peu le désordre à la maison. Je devrais faire le ménage, mais je suis épuisé quand je rentre. J'ai été contacté par la protection de l'enfance. Un connard ou une garce de l'immeuble a dû signaler avoir un enfant pleurer la nuit chez moi, mais de quoi il se mêle? Il ne m'appelle plus beaucoup ces derniers temps. Suis-je destiné à finir toute seule? Je vois tout le monde profiter la vie pendant que je me tue à élever des enfants. Après, c'est moi le monstre dans l'histoire. Si seulement j'avais pas eu d'enfants, je serais peut-être en train de planifier mes vacances avec mes amis en ce moment. Plus rien n'a d'importance désormais. La vie passe péniblement. Mais je sais ce qui attend dans le placard, mais je ne peux pas regarder. Je veux juste être heureuse. Qu'est-ce qu'il a de mal à ça? J'en peux plus. Ah, d'accord. Là, on entend un bébé pleurer. Don't you dare go outside. Stop. Oh putain, c'est quoi ce bruit? Ok. Nous avons tenté de contacter de maintes reprises, mais nous restons sans réponse de votre part. Nous considérons dès lors que vous avez nullement l'intention de remédier au problème. Vous vous trouvez en violation de l'article machin, si Loire Coulin souhaitait... Ah ok, mais ça c'est... Ouais. Ah, c'est ça le placard où ils étaient enfermés du coup. Le corps d'un garçon retrouvé dans un frigo, sa mère arrêtée le 4 août 2012. Eh ben voilà. 4 août, le corps du garçon était retrouvé dans un réfrigérateur au domicile d'une mère de 41 ans. La femme
que nous revenons ici à a été arrêté par les autorités locales pour abandon de corps. A a déclaré avoir enfermé son fils dans un placard pour plus d'une journée afin de le punir et quand elle a remarqué qu'il ne bougeait plus le lendemain matin, avoir caché son corps sans vie dans le réfrigérateur, les enquêteurs ont demandé une autopsie pour déterminer la cause de la mort. Selon l'enquête, la fille de A se serait enfuie chez le voisin pour appeler la police et signaler la négligence de sa mère. Lorsque les inspecteurs sont arrivés chez elle, ils ont découvert le corps de son frère dans le réfrigérateur et ont arrêté la mère après qu'elle a avoué son crime. D'accord. Ah donc c'est sa mère qui s'habille comme ça, comme le monstre qui nous pourchasse quoi. Bon, ça fait du sens sur le reste des choses, quoi. Ah bah voilà. Ok. Oh, plus besoin de ramener de pizza, il avait déjà à manger, du coup. Oh non. Et merde. Fuck. Ah, la porte avec les... Merde. Oh, y a un passage là, c'est un passage secret ça. Je reconnais. Ah! Fuck! Saloperie de merde! On est mort. Ok. Ok. Il faut trouver l'issue. I'm sorry, mom. C'est elle qui s'excuse en plus, la salope. Allez, go. It's your fault. Donc là, visiblement, on a une image. Et je crois que cette image... c'est la porte où il faudrait aller éventuellement. Coucou. C'est par là, peut-être? Mais comment... comment on peut échapper à ça, là? Je... comment on s'y retrouve? C'est pas possible, y'a pas une map, y'a pas un plan, y'a que dalle! Putain, mais je l'entends qui court, bordel! Ah! Ah, on a pas fait ça.
anything inside. Il y avait une que j'ai trouvée en bas d'une peinture. On y est arrivé. Ha ! Oh ma foi ! On a mérité une petite lichette, hein ? Ah ouais. De toute façon, c'est la fin, je pense, là. Purée de pommes de terre. Eh, c'était oppressant, hein ? À environ 13h, le 12 mars, le célèbre artiste de street art Maya Ako Engenberg, aussi connu sous le nom de CB, a été retrouvée inconsciente au pied d'un immeuble de Kettenstrasse. Elle a été déclarée morte à l'arrivée à son hôpital. C'était elle, du coup. La mort de cette jeune fille de 18 ans a été un choc non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour le public de ses œuvres. Les autorités privilégient la thèse du suicide, mais étant donné la célébrité et le manque de signes avant-coureurs pour son entourage, la piste criminelle n'est pas écartée et l'enquête se poursuit. Wait. She killed herself half a year ago? And that means I've been here this whole time. What'll it take for you to forgive me? Please end this. Just let me die. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. So, she did notice me. Bon, tu te sens code maintenant, hein? 21 février, j'ai vraiment été absorbé par mes créations ces derniers temps. J'ai décidé de peindre les filles qui ont sauté du toit de la villa. Je me plais à penser qu'elles ont quitté ce monde pour un monde meilleur. Je pense être enfin libéré de mon désespoir parce que je ne suis jamais senti aussi inspiré. Je vais me mettre corps et âme dans cette œuvre. Ma fresque du toit est presque terminée, ça pourrait être mon chef-d'œuvre. Mais une fois terminée, une fois que je l'aurai fini, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce que je serai capable de faire mieux? Combien de temps je vais encore pouvoir profiter de la célébrité des éloges que je reçois aujourd'hui? Si seul le désespoir et la déception m'attendaient après ça, la tristesse m'a reprise dans son éternité, je suppose qu'elle m'avait déjà jamais vraiment quitté. Qui sait combien de fois elle reviendra comme ça? J'ai des frissons rien que d'y penser. Je devrais peut-être en finir tant que je suis toujours heureuse, partir sur une note joyeuse si seulement j'avais quelqu'un à qui parler de tout ça. Ah. I was so happy. When my mom liked the first picture I drew. Tu vas l'ouvrir? Ok. Donc là, on est dans un couloir noir. I could have had a different life too. I guess someone finally did love me. You actually noticed me. Donc là, elle retrace un petit peu son passé. Emily, what should I do? I
Anita, what's up? I'm sorry, Amelie. I'm such a piece of shit. I had no idea she'd do that. What are you talking about? Did something happen? I thought I was invisible. That I didn't matter. No matter what anyone said, I didn't listen. Anita? But you and Maya, both of you did see me. I should have figured that out sooner. Anita, wait. Where are you right now? Thank you, Amelie. You were always there for me. I'm going to go apologize to Maya now. Wait, Anita! Calm down. Just listen to me. Bon, je pense que c'est la fin, hein. Seeking a connection with others is a sign of weakness. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone and need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back to 18-year-old me. Ok, c'est la fin. Alors, c'est assez spécial. On se demande même d'ailleurs l'utilité de cette démo. Enfin, en tout cas, je me demande. Concrètement, je me demande même le lien direct avec Silent Hill. Parce que bon, il s'est mentionné à un moment donné dans un article qu'on va lire Silent Hill, tu vois. Mais non, ça n'a rien à voir avec Pity, mais il y a quand même un lien. Enfin, c'est comme le côté un peu, voilà. Après, je pense qu'ils ont voulu faire sur certains aspects un petit truc par rapport à Pity, parce que ça reste une démo gratuite en attendant le Silent Hill. Et il y a un côté qui ressemble un petit peu, mais bon, dans les grandes lignes, tu vois, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec Pity. On va dire que le lien direct avec Silent Hill, j'ai du mal à voir la connexion, mis à part la persécution qu'on pourrait avoir et le stress. Il n'y a pas une réelle difficulté, contrairement à Pity, où c'était vraiment très 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 compliqué, Pity. Hein. Vraiment, t'y arrivais pas du premier coup comme ça. Hein. Là, c'est assez linéaire, assez scripté. Il y a juste à la fin où on se perd un peu, où il faut aller chercher les choses, mais plus ou moins, de toute façon, ça reste assez simple à faire. Il y a quand même un petit côté intéressant, puisque ça change. Il y a une histoire, et finalement, la morale de l'histoire est très très intéressante et très importante. Hein, on a bien compris le lien et on va dire le sujet numéro un de l'histoire, c'est le suicide, l'automutilation, les mauvaises pensées que les gens peuvent avoir, la dépression et tout ça, la jalousie. Et bon, je pense que dans l'idée générale, on a compris un petit peu tout ça. Et autant on pourrait dire qu'en termes de jeux vidéo, tu te dirais, ouais, est-ce que réellement, on va dire, ça apporte pas grand-chose? Mais je pense que par le biais du jeu vidéo, et c'est là où c'est intéressant,
par le biais du jeu vidéo et par l'audience qu'ils savent qu'ils ont et l'écoute qu'ils ont des gens, ils en profitent pour délivrer un message qui est bien évidemment, je pense, dans une société comme actuelle, ultra important. Et là, je trouve que c'est cool. Parce que je pense que le sujet grave qui est traité dans la démo est un sujet qui touche beaucoup plus de gens qu'on ne pourrait connaître. Peut-être même des gens parmi vous qui m'écoutent actuellement et qui se sont sentis peut-être représentés ou peut-être d'un côté, mais ça leur parle. Ah tiens, ça me parle indirectement. Et bon, ce sujet-là est un sujet qui est assez... qui est un problème de société grave, malheureusement. Trop banalisé, je trouve, jusqu'à temps que le regrettable soit arrivé. Comme par exemple l'exemple de Maya. Voilà, c'est un peu banalisé le fait de se moquer d'une personne, critiquer, etc. Et on ne prête pas attention aux choses qui vont mal tant que la personne dit « Ah, t'inquiète, ça va !» jusqu'au jour où la personne se suicide. Et là, tu te dis « Merde, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. » Et souvent, quand on se dit « J'aurais dû faire quelque chose », il est trop tard. Moi, je sais que ça m'est arrivé à un endroit où j'allais, un truc complètement anodin. J'allais à une salle de sport, une salle de gym, et la personne qui nous recevait, c'était un jeune de 17 ans. Super gentil, souriant, à chaque fois qu'on arrivait, « Bonjour, ça va, etc. » Et un jour, il n'était plus là. Il s'était suicidé. Et tu dis comme « Waouh, c'est choquant !» Parce que tu te dis « Mais bon, la personne, je ne la connaissais pas, et c'est le genre de personne qu'on croise dans notre vie comme ça, sans forcément s'intéresser un peu plus. Surtout, tu vois une personne jeune, tu vois une personne souriante, etc. Donc, loin de toi d'imaginer que ça pourrait arriver un truc comme ça, tu vois. Et finalement, bah, ça arrive. Donc, finalement, dans le côté un peu Silent Hill, il y a un côté un peu horreur, un peu stressant, un côté qui est intéressant, même s'il y a beaucoup de blabla, beaucoup de lectures. Mais au final, le message profond de la démo, je trouve, est très important. Très important. Encore une fois, si vous connaissez des gens autour de vous que vous pensez avoir un problème comme ça, je pense que c'est important d'essayer de peut-être d'en savoir un petit peu plus et de ne pas se contenter d'un « ça va ». Et encore une fois, si vous avez des pensées suicidaires, bon, c'est ce dont on vient de parler. Mais non, c'est un très beau message. C'est un très beau message. C'est un trop beau message. Il y a un mix de tout, finalement, dans la démo. Tu vois, ça a duré 2 heures. The short message. Bon, c'est un message court, mais finalement, la lettre... La lettre était belle. Choix du chapitre, chapitre 1. Chapitre 2, chapitre 3, ok. J'ai bien aimé. J'ai un mélange d'émotions et de sentiments, tu sais. Il y a un petit mélange de pas mal de choses. Et finalement, tu dis, c'est un mix. En 2 heures, t'as vécu énormément d'émotions. Même si j'avais eu un côté sceptique et à un moment donné, en mode... finalement, je trouve que le jeu est beau et le jeu est intelligent. C'est plaisant, voilà. C'est plaisant. C'est tout pour la découverte et, on va dire, le gameplay le complet. The Silent Hill, The Short Message. Alors apparemment, des Silent Hill, il y en aura plusieurs qui vont arriver. Il y a Silent Hill 2 Remake qui va sortir. Même si sur les premières images de gameplay, ça n'a pas fait l'unanimité, on a hâte de voir un peu plus et en espérant que l'atmosphère soit bien préservée, autant difficile qu'il soit d'arriver à retranscrire l'émotion et l'atmosphère pure de Silent Hill 2, surtout sur un jeu si ancien, c'est assez compliqué. Et je crois qu'il y a peut-être une série même qui va sortir, une série télévisée. Moi, je sais que le film Silent Hill, le premier, je sais qu'il y a un 2, mais on ne le compte pas. Le film Silent Hill, le premier, était vraiment incroyable et l'un des rares films adaptés d'un jeu vidéo que je trouve vraiment bon. D'ailleurs, je trouve que le film Silent Hill est largement supérieur par rapport au film Resident Evil, malheureusement. Les films Resident Evil, je trouve qu'ils sont passés complètement à côté de l'ambiance du jeu, mis à part le 1 qui encore peut être respecté, mais le film Silent Hill 1, très très bon. Très très bon. Surtout quand t'as la pyramide devant l'église, je n'en dis pas plus. Voilà. Hâte de voir ce que Silent Hill va nous réserver pour la suite. The Short Message est un joli message. C'est la fin. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Très différent de ce que j'ai l'habitude de proposer d'habitude, mais de temps en temps, bah, ça fait du bien. Surtout quand c'est pour un message si important que celui-ci. Exclusivité PS5, c'est gratuit pour tout le monde. Allez-y. Merci à tous. Excellente soirée, excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses, et on se dit la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.